L'honorable député de Trois-Rivières. Monsieur le Président, les travailleurs ont assez souffert. Après les licenciements massifs chez Bombardier, l'annonce de la fermeture de l'usine de GM à Oshawa, voilà que nos travailleurs pourraient ne pas avoir un seul sou du contrat prévu pour le renouvellement de la flotte de Via Rail. Les Américains imposent des normes de contenu local à hauteur de 65 %, alors que c'est entre 70 et 90 pour la Chine. Pourquoi est-ce si compliqué pour les libéraux de protéger les emplois d'ici, d'intégrer des technologies canadiennes et de développer notre expertise? Tout à fait. Le ministre des Transports. Monsieur le Président, il serait complètement inapproprié pour quiconque de commenter sur l'appel d'offres qui est mené pour VIA pour le remplacement de la flotte de Via Rail entre Québec et Windsor. Mais je peux vous assurer que ce processus a été ouvert et transparent, et je recommande à mon collègue de l'autre côté d'attendre les résultats.